Bonjour, vous êtes avec Mimi Tricot. Nous allons voir aujourd'hui un point très utile de d'ourlet, le point de chausson. C'est spécialement utile pour les tissus épais. Alors, on prend soin, on ne fait pas de retour quand le tissu est très épais. On prend soin de passer un petit point de surfilage pour que le tissu ne s'effiloche pas. J'ai pris du fil noir pour que vous voyez bien ce que je fais, mais bien évidemment, plus votre fil se rapprochera de la couleur du tissu, moins votre ourlet se verra. Donc, on commence par la gauche, on prend deux fils en dessous. Et on vient là, on prend 4-5 fils, ça a une grosse importance de ce côté. C'est un point de broderie. Là, on prend deux petits fils. Il faut que ce soit le plus discret possible. Et on continue. Si vous avez peur de ne pas aller bien droit, vous pouvez parfaitement faire un léger trait avec un crayon effaçable pour que ce soit le plus régulier possible. Ceci dit, ça ne se voit pas, hein. L'endroit est là. Voilà mon ouvrage terminé. Je vous rappelle donc deux petits fils dans le bas, 4 à 5 dans le haut. Et vous voyez qu'à l'endroit, on voit à peine. Si c'était de la couleur parme, on ne verrait absolument pas mon ourlet. Je vous rappelle, pour le repassage, vous devez repasser jusque au ras de l'ourlet de chaque côté, jamais sur cette partie. Sinon, vous allez marquer votre ourlet sur l'endroit, ce sera horrible, mais ce ne sera pas la peine de vous être cassé la tête à faire cet ourlet quasi invisible pour le marquer avec le fer à repasser. Voilà pour aujourd'hui une façon de faire les ourlets sur du tissu épais. Nous continuerons à voir d'autres techniques d'ourlet. Bonne journée!